Phénix tomba sur une créature ailée, facile à confondre avec une fée. Mais sa véritable identité serait bientôt dévoilée. Bon alors, c'est quoi ? Pour le savoir, Phénix devait la libérer. D'accord, mais toi, tu peux me le dire, non ? On peut respecter le rythme de mon histoire, oui. Lorsque Phénix libéra la petite créature enfermée sur l'île, celle-ci poussa un cri. Ce qui voulait dire « Grande héroïne, je suis un morceau de Nike, déesse de la victoire. Libère les autres, afin que je puisse retrouver ma gloire. » Impossible de gagner sans Nike. Elle est comme un gant ou une chose qu'on porte pour courir. Un casque, voilà. Qu'est-ce que c'était ? Ah, la vallée de l'éternel printemps. Au nombre de ces merveilles, on y trouve un arbre qui grimpe jusqu'au ciel. La halle des dieux. Le palais d'Eros. Ah, je suis content qu'il ait enfin obtenu son extase. Et enfin, le palais appartenant à la grande déesse de la beauté. Ah ben voilà, comme par hasard, Aphrodite récolte le meilleur emplacement avec la meilleure vue. Bon, tant que personne ne peut la reluquer. De cette hauteur, la vue d'une myriade d'oiseaux picorant un magnifique pommier attira le regard de Phénix. Phénix est surtout aussi perché que je l'étais le jour où j'ai décidé de marier Aphrodite à Héphaïstos. Tout ça pour empêcher les autres dieux de se battre pour elle. Oui, la vue depuis le mont Olympe est sans pareil. Cela fait des années d'ailleurs que je n'en ai pas profité. Et je vais te dire une bonne chose, t'es pas prêt d'y retourner. Alors, arrête la pleurniche, tu veux ?